Allô? Oui, moi. Hein? Il est parti, Lise? Il y a Franchard qui est en train de lui prendre la tête encore avec le syndicat. Yes, syndiqué, c'est n'importe quoi. Mais dis pas ça. Si ça l'amuse de rejoindre tous ces gros beaufs qui passent leur temps à raconter leur point de retraite, c'est son problème. Bon, je te rappelle, hein? Putain, mec. Il y a encore grève aujourd'hui, j'ai raté mon dernier train, putain. Toujours pas trouvé d'appart? Vas-y, on parle pas. Le foyer des jeunes travailleurs de Mans, je peux plus. Et puis me taper une heure de trajet pour partager la piole d'un gros porc en chaussettes qui pue des pieds. Oh, merci. Tu peux venir dormir chez moi si tu veux. Belle baraque, hein? Ça va avoir du pognon, ça. Pas moi, c'est mon beau-père. Avec quoi, t'habites dedans, non? Non, t'oublies pas, t'es avocat. Ouais, attends, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris? Si moi je suis avocat, toi t'es quoi? Je suis avocate. On est tous les deux avocats. Mais d'accord, mais c'est ça la suce. D'accord, c'est ça la suce. Ouais, donc tous les deux, d'accord. C'est nous. Bonsoir. Alors, vous travaillez dans le même cabinet que ma fille? C'est ça, oui. On a débuté ensemble, en fait. C'est quoi votre spécialité? Ma spécialité? Vous êtes plutôt civil ou pénal? C'est-à-dire un peu des deux. Ah, ça, c'est bien, ça. Faut savoir être polyvalent. C'est ça. Et où avez-vous fait vos études? Biarritz. Biarritz, ça. Voilà. Vous savez pas qu'il y avait une fac de droit à Biarritz? Si. Non, tu vas pas lui faire passer un entretien d'embauche? Excusez-moi, mais Laura ne me parle jamais de son travail, alors forcément, ça me rend curieuse. Non, mais je comprends. Il n'y a pas de mal. Je vais vous reprendre un peu plus de gratin parce qu'il est vraiment délicieux. Bien sûr. Et voilà. Mais c'est mignon, hein? Merci. Si tu veux, il y a de la place dans mon armoire. Ah ouais? Je peux poser des trucs. Merci. Là, juste là. Je vais me déshabiller. Y a pas de problème. Je peux même t'aider si tu veux. Oui. D'accord. Maintenant, tu bouges plus. D'accord. Tu bouges plus. Chauffe. Okay. Ah, c'est bon, là, viens. Bah, c'est bon, Kevin, viens. Qu'est-ce qu'il y a, je te plais pas? Disons que t'es pas mon genre, voilà. C'est quoi ton genre? Bondasse au gros sein? Brand Black? Écoute, le prends pas pour toi, mais il pourrait y avoir Pamela Anderson à poil à ta place, ça me ferait ni chaud ni froid, voilà.
Mais quoi, t'es homo? Mais ouais. Mauvaise pioche. Oh putain. Pour une fois que je kiffe un mec, il est pédé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis désolé? Je suis désolé. Bon, tu peux me détacher, s'il te plaît? Ouais, ouais. Tu me promets un truc? Tu gardes ça pour toi? Mais t'as peur de quoi? J'ai pas peur, c'est juste que j'ai pas envie que tout le monde soit au courant, c'est tout. C'est bon. Ça va, personne va te manquer de respect, t'es taillé comme une bête. Écoute, ça a rien à voir. C'est que tous les flics détestent les PD, c'est comme ça. Alors si t'es avocate, ben moi je suis hétéro. Voilà, c'est... Deal?